Bonsoir, vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire. Mon nom est Mbayadi, je suis avec vous jusqu'à 20h en compagnie de Brice. Salut Brice, comment vas-tu? Je vais bien, bye. Alors, au programme ce soir, nous recevons une artiste africaine, afro-québécoise du nom de Kesoued. Kesoued, c'est le nom d'artiste, donc vous allez la découvrir tantôt en première partie de l'émission. Et puis en seconde partie, je recevrai Aziz Salmon Fall pour parler de la militarisation et de la récolonisation de l'Afrique, parce que si je vous dis que l'Afrique est récolonisée ou en voie de récolonisation, vous en douteriez, vous ne me croiriez pas. Et pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est vrai. Ce qui se passe en Afrique aujourd'hui est très grave et beaucoup de personnes, y compris les Africains, n'en sont pas conscients. Je recevrai donc le professeur Salmon Fall qui nous fera part de ces enjeux stratégiques que subit l'Afrique aujourd'hui, parce que l'Afrique apparaît de plus en plus comme un terrain de jeu des grandes puissances. L'Afrique est passée donc de la décolonisation sans indépendance à la récolonisation. Et donc, nous en parlerons tantôt avec Brice, avec Fall. Non, Brice, tu n'es pas encore prof à l'université, fait que je ne peux pas te recevoir. Le jour où tu seras prof, mon cher, ça me fera plaisir de te recevoir. Bien sûr, tu le sais bien, mon ami. Alors, je vais donc appeler aujourd'hui, c'est le 7 septembre, hein, c'est le premier lundi de septembre, notre deuxième émission dans nos nouveaux locaux, au 191 rue Saint-Paul. Il y a une baie vitrée, une fenêtre vitrée. Si vous passez par là, sur la rue Saint-Paul, vous pouvez nous faire coucou. La radio est ouverte sur son milieu. Ça nous fera plaisir. Et donc, mesdames et messieurs, je vous invite à une petite pause musicale, Brice, si c'est possible, le temps d'appeler Madame Kesoued pour notre petite interview. Madame Kesoued est de Montréal, donc on réalise l'entrevue par téléphone. Mesdames et messieurs, vous êtes donc bien sur CKIA 88.3 FM. Vous pouvez aussi nous suivre directement en ligne sur www.ckiafm.org et puis présentement sur notre page Facebook Dignité Noire-CKIA-FM. Chose promise, chose due, j'ai l'immense plaisir d'accueillir notre artiste, Madame Kesoued. Bonsoir Madame Kesoued. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous êtes la première artiste peintre qu'on reçoit ici à l'émission, je crois, Brice, hein, si je ne me trompe pas. C'est la première artiste peintre, puis ça me fait plaisir. En plus, Brice... Oui, ça me fait énormément plaisir. Hein. En plus, Brice, qui est mon metteur en onde, est du même pays que vous, alors... vous allez parler le fond du Bénin tantôt. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On devrait le faire depuis le mois de mars et puis on n'a pas pu le faire. Vous m'aviez écrit aussi quand vous aviez inauguré votre galerie. Et puis bon, avec les aléas, on n'a pas pu le faire. Fait que je suis très content de vous recevoir aujourd'hui à l'émission Dignité Noire. Oui. Pour vous faire découvrir, parce que moi j'ai parcouru un peu vos œuvres et puis vous êtes, ce que vous faites est magnifique et j'aimerais partager ça avec nos auditeurs et auditrices. Et puis aussi faire découvrir des personnes de notre communauté qui font de belles choses, dont vous. Donc, Madame Kesoued, Kesoued c'est le nom d'artiste, hein, c'est le diminutif de Keke, Sourou. Oui, exactement. Edwige. Oui, c'est mon nom de famille, mon prénom qui est béninois qui est Sourou. Et oui, mon prénom qu'on m'a donné, si vous voulez, pendant mon baptême, c'est Edwige. Et puis je me suis renseigné, donc, moi j'ai fait ma petite investigation et j'ai découvert que Sourou veut dire doucement. Est-ce que c'est ça? Non, mais ça veut dire patience. Patience, et bon. Ouais, exactement. Bon, j'avoue que... J'ai fait ma petite recherche auprès de mon ami Brice du Bénin. Bon, qui est à côté. Sourou, je pense que ça vient de Port-Nouveau, je pense. Oui, exactement, je suis de Port-Nouveau. Ok, parfait. Alors, Brice, il a tout vu tout juste. Alors, donc, vous êtes de Port-Nouveau, mais aussi d'un côté, vous êtes un voisin à moi, hein. Vous venez du Cameroun aussi, moi je suis du Tchad, donc vous venez du Cameroun à côté. C'est pas très loin. Tout à fait. Pouvez-vous parler de votre parcours personnel et puis comment vous en êtes arrivé à la peinture? Vous m'avez dit que c'est par votre grand-mère. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai ce métissage en moi qui me suit depuis. Je suis née au Cameroun, à Yaoundé, d'une mère qui est camerounaise et d'un père, en fait, qui est béninois. Bon, mes parents, en fait,
et ils se rencontrent en fait en Belgique, où ma mère surtout termine ses études universitaires. Et donc après ça, donc on est reparti en Afrique, où mon père exerçait son métier de médecin de sans frontières. Alors c'est comme ça que moi j'ai grandi dans les rues de Yaoundé. Et j'ai commencé à peindre depuis mon bas âge, c'est-à-dire je commençais par la reproduire tout ce que je voyais dans les bandes dessinées. Et donc je donnais ça partout dans ma famille, tout le monde était content. Ensuite, ma grand-mère qui faisait tout le temps des paysages, elle essayait de nous amadouer avec des petits bonbons pour qu'on vienne s'asseoir à table. Il y avait mes frères qui voulaient pas, et il y en avait d'autres qui étaient contents d'être là. Moi, j'y étais, et puis mes cousins aussi. Alors, c'est comme ça que j'ai été un peu initiée à la peinture. Au départ, c'était que des pigments naturels, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y avait dans la cuisine à ma grand-mère ou à la cuisine à ma mère, on arrivait à faire des couleurs. Ça pouvait être des feuilles de menthe, la betterave, le chou, ou les feuilles d'oignon écrasées qui nous donnaient des pigments naturels, végétales, qu'on pouvait en fait mettre sur un papier pour faire de l'aquarelle. Moi, c'est comme ça en fait que j'ai commencé à explorer tout ce qu'il y avait comme couleur et peinture. Après, dans le fond, vous êtes autodidacte dans le fond en matière de peinture. Oui, exactement. J'ai toujours été passionnée, puis j'ai fait des ateliers en fait d'artistes. Et j'ai assisté à plusieurs symposiums, chaque fois que je voyageais, à plusieurs ateliers qui me permettaient en fait de performer en fait ce que je sais faire. Mais au départ, j'ai commencé vraiment à peindre avec ma grand-mère. Et donc, vous êtes arrivé au Québec, je pense, il y a une dizaine d'années. Vous êtes venu avec votre passion de la peinture. Oui, effectivement. Je suis venue avec ma passion pour la peinture, puis mon bac en art. Mais déjà, j'exposais déjà depuis très longtemps au Cameroun, au Bénin et à Madagascar. Alors ici, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose qui essaye de montrer aussi ma culture et ce que je transporte avec moi de par mes voyages. Alors, mon premier symposium, c'était le Festival de Montréal en art, qui s'appelle le FIMA. Et c'était en 2008. Et c'était en fait génial. C'était ma première fois que je participais. Et là, j'ai trouvé mes œuvres d'art. Et à travers ce que je faisais, donc ma démarche qui se voulait multiculturelle, on avait des masques multicolorés, puis aussi des visages en portrait de femmes. Moi, si vous voulez, j'ai toujours peint en fait des femmes parce que c'est quelque chose qui m'a toujours parlé dans la culture africaine. Où au départ, quand je faisais des symposiums où j'exposais, il n'y avait pas beaucoup de femmes en fait dans les arts. On a toujours parlé des femmes en fait dans la littérature, le théâtre, mais dans les arts plastiques, il n'y avait pas beaucoup à l'époque. Maintenant, on a quand même en fait un grand nombre de femmes qui exposent leurs œuvres, et moi je trouve ça sympa. Donc je parle en fait de la vie sociale des femmes, des enfants, et surtout en fait de la réalité qu'on vit au quotidien en Afrique, et surtout tout ce qui est lié à l'eau, l'écosystème. Et donc, mais quand vous êtes arrivé ici, je pense que vous êtes inscrit aussi au cours des, vous avez étudié les arts. Oui, exactement. Oui. Donc du coup, en fait, moi j'arrive avec un bac en art, et moi, si vous voulez, ce que je faisais en Afrique depuis très longtemps, j'ai toujours exposé mes œuvres partout, et je vivais de ça. Alors quand j'arrive ici, il fallait bien que je trouve quoi faire. Je fais mes équivalences, on me dit donc il faudrait que je trouve quelque chose à faire. Moi, je me suis inscrite à ce boulot cégep en art. Donc j'ai eu un DEC en art plastique. Et ça m'a permis en fait de voir aussi d'autres possibilités, d'autres disciplines qui avaient rapport avec ça. C'est-à-dire moi, il y avait la photographie, il y avait presque tout, la céramique, l'installation.
en fait, ça m'a permis aussi de plutôt avancer dans ce que je voulais faire. Mais j'ai toujours gardé, en fait, ma démarche qui se veut multiculturelle parce que je veux montrer aussi, en fait, que peindre, on peut le faire avec, si vous voulez, ce côté académique qu'on a toujours eu, mais on peut aussi garder ce côté que nous avons de chaleur en Afrique. Alors, j'ai mélangé, en fait, le style que j'ai appris de par ma grand-mère et de par tous les ateliers que j'ai, tout mon parcours et en fait aussi mes cours que j'ai reçus au CGEP. Il y a une chose qui vous distingue en préparant l'émission. Vous m'aviez dit que vous ne peignez pas avec les pinceaux, mais avec les doigts. Expliquez-nous ça. Disons que quand j'ai commencé, je peignais avec les doigts. Pourquoi ? Parce que j'aimais bien le côté tactile, le côté toucher, en fait, la matière. Alors, qu'est-ce que je faisais ? Je prenais un torchon complètement mouillé et je trempais, en fait, dans la peinture et j'étalais sur ma toile. Ensuite, mes doigts servaient, en fait, de forme pour la définition, en fait, d'un portrait ou le dessin et tout. Au départ, quand moi, je commençais, je faisais beaucoup d'abstraits. Et donc, cette façon de peindre m'a vraiment apporté beaucoup et ça m'a permis d'évoluer aussi, de voir que il n'y a pas forcément que les pinceaux, mais qu'avec les doigts, on peut faire des choses énormes. Est-ce que vous utilisez toujours les doigts pour peindre actuellement? Ben, disons que je fais les deux. Okay. J'utilise mes mains au départ, même quand je fais des ateliers avec les enfants et que je leur montre un peu comment peindre, je leur demande d'utiliser leurs doigts. Pourquoi ? Parce que les enfants, en fait, ils ont des fois du mal à toucher tout ce qui est peinture. Ils le touchent avec un retrait. Alors, quelque part, les mains, les doigts permettent d'avoir une relation avec sa toile, mais avec le matériel qu'on utilise. Et donc, je le fais toujours. C'est resté de tradition, je le fais. Mais je raffine un peu. Si je fais un portrait, je raffine tout ça avec un pinceau très fin et puis pour avoir plus de définition. Ok. Et quelles sont quelles sont vos sources d'inspiration comme peintre afro-québécoise? Qu'est-ce qui vous inspire les différentes œuvres que vous peignez? Oh, je dirais. J'ai vu sur votre. Je dirais les couleurs. Moi, je mets beaucoup de couleurs en fait dans ce que je fais. Alors. Ce qui m'inspire le plus, c'est surtout parler de tout ce qu'il y a dans la nature, parce que dans la nature, on a plein de couleurs. Alors moi, je vais partir, par exemple, de rien du tout sur ma toile, et je vais mettre plein de couleurs. À travers les couleurs, je vais voir des formes, et je vais pouvoir représenter, en fait, un portrait. Et ça me parle beaucoup. Maintenant, ma démarche, comme je vous dis, elle se veut quand même... multiculturel dans le sens où je vais chercher dans mes racines qui sont africaines et de par aussi mes voyages et ce que je veux véhiculer c'est surtout un partage et surtout transmettre ce que j'ai appris et ce qui me reste de par aussi les études que j'ai fait ici. Là vous utilisez aussi beaucoup, vous me disiez, vous utilisez beaucoup du matériel végétal là, dans vos médium dans vos peintures, je crois. Oui, je travaille, c'est un peu en 3D, donc je travaille avec la toile de jute. Okay. Je fais des collages quasiment de feuilles séchées. Alors, mon travail se veut un peu, c'est en 3D, comme je dis, et du coup, on a l'impression, ça a l'impression tactile. Lorsque on est loin, on voit que c'est une peinture, mais quand on s'y approche, on voit bien qu'il y a du relief. Okay. J'utilise aussi la calebasse. La calebasse qui est aussi la courge ici, séchée, mais ici, on l'utilise pas comme on l'utilise chez nous. Alors, je trouve que c'est symbolique chez nous et sur mes toiles, d'ailleurs, si vous êtes allé voir, en fait, mon site, vous allez voir qu'il y a, en fait, une œuvre d'art faite avec des supports en calebasse. Et j'utilise parce que ça met la valeur à la toile et parce que ça symbolise ce que je veux représenter de l'Afrique, mais aussi de tout ce qui est végétal, tout ce qu'on peut retrouver dans la nature pour travailler avec.
Je vois que vos origines africaines, béninoises, camerounaises vous inspirent beaucoup. Nous n'en sommes qu'heureux, très heureux même. Mais vous êtes aussi une artiste très généreuse qui formait des jeunes, des adultes, qui est impliquée dans le milieu. Pouvez-vous nous parler des ateliers que vous organisez? C'est sûr que les jeunes de Québec ne peuvent pas y assister parce que vous êtes à Montréal, mais ceux qui nous écoutent à Montréal pourraient y assister. Qu'est-ce que vous faites dans ces ateliers? À qui ça s'adresse en général? Alors, les ateliers s'adressent à tout le monde, aux enfants, aux adultes, comme des personnes âgées aussi. Qu'est-ce que j'apporte en fait au départ? J'ai ma manière pédagogique de travailler qui est très différente des autres. Je pars avec une petite histoire de rien du tout. Par exemple, il n'y a pas forcément un thème qu'on met lorsque on veut peindre. Alors, mon art se veut lorsque je rencontre des enfants qui sont passionnés de peinture intuitive. C'est-à-dire, on prend une toile et puis on essaye de mettre plein de couleurs. Et bon, exactement comme moi, j'ai commencé. Et à travers ces couleurs, on arrive à, en fait à avoir des formes et on arrive à pouvoir dessiner. Et moi, j'ai vu que les enfants, ils étaient vraiment inspirés par ça. Et ça faisait plutôt d'autres choses. C'est-à-dire, si on veut dessiner un animal, au lieu de dessiner exactement ce qu'on a devant nous, à force de travailler avec les couleurs, ça nous donne une autre dimension, mais on voit d'autres choses sur la toile. Et cette façon de travailler permet aux enfants, aux adultes comme aux personnes âgées de pouvoir s'épanouir dans ce qu'ils font, de pouvoir décider aussi s'ils veulent continuer en peinture, mais aussi de maîtriser tout, des couleurs et comment est-ce qu'il faut les employer sur une toile ou sur un papier buvable. Les jeunes que vous accueillez, ils ont quel âge environ? Et est-ce que c'est payant? 5 à 12 ans. Et combien ça coûte? 5 à 12 ans. Combien ça coûte vos ateliers? Mes ateliers, ils varient. Alors, lorsque la séance, le matériel est complètement fourni, je ne fais pas des prix dispendieux. Hein. Ils sont entre 20 et 25 dollars. Okay. À peu près, ça dure une heure trente. Pour les plus jeunes, c'est-à-dire de 5 ans à 7, 8 ans, c'est un bon 45 minutes, parce que après ça, l'attention n'y est plus. Les prix sont beaucoup, beaucoup moins. OK. Donc, vous êtes quand même bien établi. J'imagine vous vivez de votre métier. J'imagine que vous faites des expositions à travers le Québec, à travers le Canada, à travers le monde. Disons qu'avant, j'exposais beaucoup. Il y a à peu près un an et demi que j'ai arrêté parce que personnellement, j'étais pas bien, j'étais malade. Mais j'ai envie de reprendre mes expositions comme je le faisais avant. Mais ce que je fais le plus, pourquoi est-ce que je suis active et que je reste encore en contact avec la peinture, c'est les ateliers. Donc, je donne des ateliers de peinture en parascolaire, dans les écoles. J'en donne aussi en fait dans les centres de personnes âgées, okay, des ateliers de peinture et en art thérapie, okay, et des adultes s'ils veulent des cours particuliers. Très intéressant. Disons que je comment? Mais vous n'avez jamais exposé à Québec, hein? J'imagine que vous viendrez. Non. Par contre, on m'a invité à exposer à Rivière-du-Loup, okay, et à Kamouraska. Je devais en fait y aller cet automne à Kamouraska, mais l'exposition en fait a été annulée. Bon, j'espère que je viendrai à Québec. Hein. Bon, on espère. Nous aussi, on croise les doigts. Comment peut-on découvrir vos œuvres? Les gens qui sont à Québec, ils ne peuvent pas aller souvent à Montréal. Comment ils peuvent découvrir vos œuvres? Est-ce qu'elles sont en ligne, par exemple? Mes œuvres sont en ligne sur kesswet.com. Okay. Et moi, j'expose parce que j'ai un atelier galerie. C'est-à-dire, j'expose mes œuvres dans mon atelier galerie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Au carrefour La Plante c'est une exposition qui est là, c'est pas une exposition éphémère, c'est présent tout le temps parce que c'est un endroit où je donne des ateliers aussi et puis je suis avec des collègues qui donnent aussi des ateliers, alors du coup c'est quand même diversifié, devinez-moi, c'est une très belle vitrine qui attire en fait des personnes qui ont envie d'échanger avec l'artiste. On va inviter les gens de Québec qui passent par Saint-Jean sur
Richelieu ou à Montréal à faire un tour à votre atelier. On rappelle que votre site internet, c'est www.kessoued.com ou .ca? .com. Et puis votre page Facebook, c'est Kessoued, K-E-S-O-U-E-D, -d'union A-R-T. J'ai bien prononcé, j'espère. Oui, bien sûr. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Ça fait plaisir de recevoir une Afro-Québécoise qui fait de l'art. Une dernière question, peut-être par curiosité. Vous êtes l'une des, je pense j'en connais deux ou trois, artistes, femmes artistes d'origine africaine au Québec. Est-ce que vous êtes nombreuses comme femmes peintres à Québec, d'origine africaine au Québec? Disons que j'en connais quelques-unes à Montréal qui se distinguent, mais nous ne sommes pas tout à fait nombreuses. Disons que il y a plutôt une très belle diversité du côté latino ou du côté peut-être amérindien, mais en tant qu'africaine, je côtoie plutôt des personnes qui sont écrivaines et enfin qui font de l'écriture, la littérature, mais en peinture, nous ne sommes pas tout à fait nombreuses. J'espère que les jeunes filles qui vont écouter notre entrevue seront inspirées par vous et suivront vos exemples. C'est aussi ça l'objet de l'émission, hein. Vous présenter pour inspirer des petites sœurs et des petits frères, etc. Alors, absolument. Merci beaucoup, Madame Kessoued. Ben, moi, je promets de faire un tour à votre galerie, là, quand je ferai un tour de l'autre côté, là, vers Montréal. Je viendrai visiter votre galerie avec plaisir parce que j'apprécie beaucoup les œuvres que vous mettez en ligne. Alors, je rappelle que vous êtes Kessoued, artiste peintre de Montréal, on a eu beaucoup de chance de nous entretenir ce soir. Puis je vous souhaite plein succès en espérant que vous feriez une exposition un jour à Québec. Bonne soirée, Madame Kessoued. Merci, au plaisir. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester et garder l'écoute parce qu'on a une belle entrevue qui s'en vient avec M. Aziz Fall qui nous parlera des enjeux stratégiques aujourd'hui en Afrique. Après cette petite pause. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire. Désolé, on avait un petit problème technique avec mon cher Brice, tout est rentré dans l'ordre, n'est-ce pas Brice? Alors, comme je vous l'ai annoncé, j'ai le plaisir d'accueillir à présent M. Aziz Fall pour parler du thème militarisation et récolonisation de l'Afrique. Si je vous disais que l'Afrique est récolonisée, il est probable que vous manifestiez quelques doutes. Notre invité fera lever votre incrédulité car en tenant compte de la militarisation actuelle du continent, il n'est pas exagéré de dire que l'Afrique est récolonisée ou à tout le moins dans un processus de récolonisation avancée. Frantz Fanon n'a-t-il pas écrit que le colonialisme est la conquête d'un territoire et l'oppression de son peuple? Et actuellement, on voit une vague de remilitarisation de l'Afrique qui traduit donc cette idée de conquête. Quelles sont ces formes et ces modalités quelles sont les formes et les modalités de cette reconquête du territoire africain? Comment les forces révolutionnaires africaines peuvent-elles y faire face? J'en parle avec mon invité Aziz Fall. Bonsoir, Monsieur Fall. Bonsoir. Alors, vous êtes politologue internationaliste, vous enseignez les sciences politiques, l'anthropologie, les relations internationales et le développement international à l'Université McGill. Et à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes l'ancien coordonnateur du réseau québécois contre l'apartheid et fondateur du GRILA, le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, au sein duquel vous coordonnez un collectif de 21 avocats qui lutte pour faire la lumière sur l'assassinat du président burkinabé Thomas Sankara.
Vous avez aussi, dans la résolution de la crise du Burundi, vous avez formulé à Genève le plan de la première force d'interposition africaine, Africa Pax. Vous êtes également le cofondateur et le coordinateur du mouvement des Assises de la gauche MAG au Sénégal et vous êtes l'auteur de plusieurs écrits spécialisés dont la critique a noté des 200 points du NEPAD. Vous êtes souvent invité dans les conférences et les médias. Nous avons eu le plaisir de vous accueillir en octobre dernier pour parler du feu Sankara justement et nous vous recevons pour une deuxième fois pour parler de ce sujet de l'heure, la remilitarisation de l'Afrique. Alors, Monsieur Fall, vous faites partie de ceux qui dénoncent la présence des bases militaires en Afrique. Vous avez réalisé le documentaire Africom Go Home, base étrangère hors d'Afrique. Africom, du nom du commandement américain de l'Afrique basé à Stuttgart, en Allemagne. On a partagé ce documentaire. Pour ceux qui sont intéressés, ce documentaire figure sur notre page Facebook. Donc, le 29 juillet dernier, le général Stephen Townsend, le nouveau commandant d'Africom, a annoncé le départ d'Africom de Stuttgart. Mais vous demeurez sceptique, vous soutenez que l'impérialisme américain se transforme mais ne change pas, de sorte que l'Afrique demeure toujours sous tutelle de l'OTAN. Pouvez-vous nous expliquer à nos auditeurs la métamorphose de cette tutelle de l'OTAN et des États-Unis ? Mais merci beaucoup. Effectivement, cette annonce qui est survenue il y a quelques semaines révélait que l'Africom quitterait son quartier général à Stuttgart, en Allemagne. Pour nous, c'est bien sûr une bonne nouvelle puisque notre groupe a été un parmi les premiers, je crois, sur le continent, pour ne pas dire le premier, à dénoncer d'abord les initiatives africaines qui étaient très molles à l'époque pour s'interposer dans plusieurs crises et à la faveur desquelles, à l'époque, Warren Christopher avait proposé ce qu'il appelait le African Crisis Response Force. Et AFRICOM est en fait né dans la foulée de ces redéploiements américains en 2007. Et un an plus tard, nous avions dénoncé sa présence. Et en 2013, à l'occasion du 50e des anniversaires des prétendues indépendances africaines, on avait une déclaration qui avait été co-signée par une cinquantaine de personnalités allemandes et françaises et africaine, qui disait effectivement que cette base en Allemagne violait la constitution allemande, mais aussi violait la souveraineté africaine. Et donc il y a eu pendant toutes ces années des campagnes, des manifestations au niveau du Parlement allemand, beaucoup de pression, et on peut dire que ceci a contribué en tout cas à éclairer pour les Africains qui l'ignoraient, mais aussi pour les Allemands, cette position panoptique qu'avaient les États-Unis dans ce pays. L'Allemagne, entre-temps, depuis l'attentat qu'il y a eu à Berlin, est devenue beaucoup plus proactive. Et j'avoue que nous avons perdu beaucoup de nos camarades pacifistes allemands qui nous soutenaient dans cette démarche. L'Allemagne est devenue elle-même un pays qui a une base maintenant en Afrique. Et donc cette annonce que les Américains font vient à la fin un long processus de bruit entre l'Allemagne et les États-Unis qui reste cependant très unis au sein de l'OTAN. Les Américains, sous Trump, lui reprochant de ne pas contribuer suffisamment aux frais collectifs de l'OTAN, mais aussi, comme je l'ai dit, parce que l'Allemagne elle-même a son propre agenda sur lequel on peut revenir. Donc, ce qui a actuellement en lieu, c'est un redéploiement très probable vers la Belgique et vers la Pologne, mais de façon beaucoup plus insidieuse, le renforcement des unités sur le continent africain lui-même. Et justement, vous disiez que si la base est redéployée, les puissances, l'OTAN, les États-Unis, opèrent autrement en Afrique aujourd'hui à travers les drones ou des accords avec les armées africaines. Pouvez-vous développer ce point à nos auditeurs pour qu'ils comprennent bien en quoi le démantèlement d'AFRICOM ne signifie pas la fin de l'influence américaine en Afrique ? Oui, alors comme c'est d'ailleurs illustré dans ce film qui pourtant date de 2013, c'est que les administrations américaines changent, mais la politique américaine, qui au fond calquée sur la doctrine Monroe, du contrôle du monde et évidemment de l'Afrique inclus, dans une mesure où, comme elles essaient de tempérer leur déclin économique, qui ne peuvent plus véritablement se prévaloir qu'au niveau géopolitique, par la ruse et par la force, on a instrumentalisé plusieurs des conflits, notamment le terrorisme ambiant, pendant des années, par l'entremise de pays secondaires comme le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, mais surtout
ça a été petit à petit, donc cette guerre sécuritaire qui devenait une sorte de chantage dans lequel, si on ne s'alignait pas sur les positions de l'OTAN et des États-Unis, on se retrouvait évidemment en porte-à-faux au niveau de l'aide publique au développement, au niveau de la coopération bilatérale, au niveau de la stratégie géopolitique. Donc, nos pays eux-mêmes ont commencé petit à petit à être soumis à ce chantage, et l'Union africaine elle-même a eu une position relativement pathétique. Elle s'est laissée amadouer dans cette forme de cooptation, ce qui explique qu'aujourd'hui, l'essentiel de nos états-majors ont été passés sous la tutelle du contrôle des forces étrangères. C'est beaucoup dire, évidemment, de le présenter dans ces termes, ça, au niveau de l'orgueil et des souverainetés nationales, mais on le voit très clairement, il y a actuellement ce qu'on appelait au 19e siècle en Afrique un scramble, c'est-à-dire une resurgence à la fois des interventions militaires au nom de la sécurité humaine et du droit d'ingérence et de la lutte contre le terrorisme, mais on a aussi la présence et la prolifération de bases. Donc on a aujourd'hui le Japon, la Chine, l'Allemagne, la Turquie, Israël, qui viennent rejoindre les anciennes puissances des États-Unis, de la France, dans les dispositifs très très importants. Ils sont tous inquiets à la fois du rôle accru de la Chine et de son appétit féroce pour les matières premières, mais aussi des autres pays du BRICS comme le Brésil, la Russie ou l'Inde. Aucun des pays de l'OTAN n'a au fond besoin d'une base militaire en Afrique, dans la mesure où les accords de souveraineté et des indépendances africaines offrent des avantages militaires aux anciennes puissances de tutelle. Donc c'est des accords secrets qui sont enchâssés dans la plupart des systèmes de coopération bilatéraux, notamment surtout avec le précaré français, le prétendu précaré français empoisonné par la France-Afrique. Mais les nouveaux États impérialistes, comme les États-Unis, ont eux aussi développé une très très grande capacité de déploiement. Donc on peut dire qu'il y a une sorte de tutelle de bien de nos armées nationales, ou ce qui subsiste de nos armées, sous le commandement et la supervision des forces impérialistes étrangères, qui réussissent au nom de update, comme on dit, les armées, de les mettre à niveau avec des stages, avec des intégrations. Petit à petit, une bonne partie de nos états-majors sont cooptés dans le processus. Donc, comme je l'explique dans le film, en réalité, il y a le fait que l'Afrique est toujours soumise à l'impérialisme, que la nébuleuse militaire est en fait le bras armé qui permet l'accès aux matières premières, et ces matières premières évidemment sont dans certains cas pillées, dans d'autres payées à très bas prix, vu le désengagement des États de l'économie tel qu'ont été procédés par les plans d'ajustement pendant 30 dernières années. Et on se retrouve ici par exemple au Canada, dans un pays qui est le cheval de Troie de l'essentiel de ce pillage des mines africaines, puisque la Bourse de Toronto est l'endroit où sont cachées les grandes compagnies européennes, australiennes, puisqu'elles payent une taxation plus faible, les Américains. Et ainsi, c'est cette garantie-là de la pérennité de ce système que ce déploiement des bases militaires offre. Sur le cas du Canada, rappelons que il y a une enquête du Radio-Canada qui a montré que les plus grandes compagnies minières qui violent les droits de l'homme sont des compagnies canadiennes à travers le monde, en Afrique ou en Amérique latine. Oui, alors je pense qu'il y a eu, avec la loi Bayon ici au Québec, des tentatives de museler quelques-uns des chercheurs qui, autour de nous, faisaient un effort quand même pour désamorcer cette emprise des firmes juniors et des multinationales qui ont profité du pillage du Congo et ailleurs. Mais je crois que cette situation perdure, d'abord parce que les États africains sont extrêmement affaiblis, la marge de manœuvre des États a été amoindrie dans les 30 dernières années de mondialisation forcenée, où le désengagement de l'État a permis la prolifération des intérêts privés à la fois nationaux, mais qui sont de nature comprador, c'est-à-dire qui ne travaillent pas pour les intérêts de l'Afrique, mais pour leurs intérêts personnels, et bien sûr leurs alliés extérieurs, qui, effrayés par la rivalité chinoise, s'empressent d'accaparer les espaces. Donc, il faut comprendre que ce chantage, il se fait parce que même la diaspora africaine transfère davantage de transferts monétaires, les immigrants africains, que l'aide publique au développement des pays occidentaux, qui n'a jamais atteint d'ailleurs le niveau prétendu
en 1968 de Pearson, qui était le 0,7% d'aide publique au développement. Donc, il faut dire qu'économiquement, le soutien des forces de l'OTAN et de leur pays au niveau économique est très très faible. Et donc, le fait qu'il ait été déplacé par les transferts des immigrés, le fait que les Chinois aujourd'hui offrent d'autres formes de coopération, évidemment, met l'enjeu géopolitique comme étant la seule chose qui pourrait substituer à garder dans le giron de l'impérialisme ces pays africains. Donc, il y a une constellation d'installations dans nos pays qui côtoient celles de l'OTAN, de l'Africom, des réseaux de renseignement logistiques, comme j'ai expliqué, la cooptation de nos armées et de nos dirigeants politiques. Et je trouve que comparé à la situation de la colonisation, si on regarde par exemple un pays comme Djibouti avec des bases françaises, américaines et japonaises, les zones franches industrielles qui sont signées sous le modèle de Djibouti un peu ailleurs, l'animosité contre la Chine, ce qui se passe surtout dans la zone du Sahel, le dispositif de ce qu'on appelle le Sahelistan, c'est-à-dire le fait que du Tchad, en passant par le Burkina, le Mali, en allant jusqu'à pratiquement le Mozambique, il y a maintenant des poches d'instabilité qui justifient les politiques et les coalitions internationales d'intervention. Tout cela, évidemment, touche l'enjeu géostratégique et forcément l'Africom a une raison d'être. Donc la guerre contre le terrorisme a tout fait sauf se débarrasser du terrorisme. Les alliances, les tactiques qui ont été utilisées par les États-Unis et la France ont servi leur intérêt. C'est ainsi que la Libye a été littéralement implosée, un des pays qui était le seul qui n'était pas endetté en Afrique, un des seuls qui avait réussi à esquisser quand même des poches de développement très significatives et qui a été sinistré aujourd'hui au nom du pétrole. Et il faut le dire, la position de la France, des États-Unis dans cette histoire du djihadisme est très ambiguë parce que, comme vous le dites, les pays qui sont derrière les djihadistes, c'est souvent le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, avec lesquels l'Arabie saoudite, c'est comme une préfecture des États-Unis, la France a des relations commerciales très poussées avec le Qatar. Fait que s'ils voulaient arrêter le djihadisme en Afrique, ils auraient pu faire pression sur ces pays-là. Mais donc, indirectement, comme vous le dites, on laisse ces pays-là soutenir le djihadisme qui sert d'argument pour intervenir. Sur les bases militaires, j'aimerais qu'on reste sur les bases militaires. Ça m'a surpris. J'ai fait une petite recherche sur Internet. J'ai trouvé qu'il y a environ 53 sites bases militaires en Afrique, ce qui est énorme. En plus, comme vous le dites même, il y a les pays du Sud, le Chine, l'Inde, la Turquie, etc. Est-ce que la solidarité Sud-Sud opère-t-elle encore quand on voit des pays du Sud même participer à la remilitarisation de l'Afrique aujourd'hui? Mais en fait, c'est probablement à cause des perspectives de partenariats multipolaires, des logiques de type Sud-Sud qui modifient le terrain géopolitique, qui modifient le terrain économique et culturel, que les anciennes puissances de tutelle et les forces nouvelles de l'impérialisme des États-Unis sont si inquiètes et se déploient à si grande vitesse avec, comme je l'ai dit, les opportunités commerciales, les conditionnalités de leur aide publique liées à la militarisation. Donc le délire sécuritaire est vraiment lié à ce phénomène-là. Maintenant, comme je l'ai expliqué, les installations aujourd'hui à une ère électronique avec des satellites, avec les guerres miniaturisées, n'ont plus besoin de déployer tant d'effectifs sur le terrain. On peut de façon panoptique, à partir de la base de Ramstein, de Stuttgart, superviser une trentaine d'installations en Afrique. Les services de renseignement sont là pour pouvoir téléguider la plupart des actions, comme vous l'avez expliqué, par les drones, etc. Donc, la physionomie des guerres vont changer. Par contre, ce qui est dangereux et qui a rhizomé, même si on n'a pas beaucoup envie d'en parler, c'est que l'islamisme politique, le djihadisme en question, et aussi les bandes délinquantes, ont profité de la porosité de l'État, de la faiblesse des États, pour se perpétuer sur un terreau qui est quand même fertile. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'il y a des culturalismes qui sont nés du fait du refus de la mondialisation, mais dans une perspective fondamentaliste, à partir de l'Égypte, l'Algérie, la Libye, des pays sahéliens comme le Mali ou le Niger. Et donc, il y a un terreau, effectivement, où beaucoup de ces sociétés-là, en contradiction avec l'État séculaire, en confondant l'impérialisme, le capitalisme et la modernité,
vont permettre justement la prolifération ou en tout cas le caractère rhizomique, hein, donc le fractionnement de forces à caractère djihadiste, qui s'ils étaient au début soutenus par la CIA et par le modèle taliban, d'accord, comme vous l'expliquez, par des pays interposés comme l'Arabie Saoudite et etc., eh bien, on n'a même plus besoin de ça, puisqu'en fait, ces capacités de nuisance, maintenant, ont développé une grande autonomie par les trafics en tout genre, trafic humain, trafic de drogue, toute forme de délinquance associée à ces milieux pour pouvoir s'approprier la rente. Donc, l'accès aux mines, l'accès à des mines artisanales, l'accès aux prébendes même, à la rente de l'État, en connivence avec des services de renseignement des États et des militaires qui jouent le double jeu, ont renforcé le pouvoir économique de beaucoup de ces forces, justifiant du même coup la guerre sécuritaire qui, à ce moment-là, a une plus grande longévité. Donc, comme vous l'expliquiez, le syndrome pompier pyromane qui est expliqué dans le film montre que ceux qui sont nos parrains ont été aussi ceux qui ont instrumentalisé ce conflit, puisqu'ils ont besoin de faire perdurer cela pour justifier leur présence, pour ne pas dire leur omniprésence. Sauf que si vous comparez pour notre génération, celles qui ont vécu la colonisation au début du 19e siècle, c'était beaucoup plus clair de comprendre la colonisation militaire et les guerres de pénétration, puisque l'ennemi était clairement identifié. Là, maintenant, l'ennemi, il est beaucoup plus massivement aussi en nos sein, au sein de nos classes politiques, au sein des classes économiques qui préfèrent pour l'instant la compradorisation et cette militarisation forcenée. Maintenant, ce n'est pas quelque chose de permanent, c'est quelque chose qui pourra très bien basculer, puisque cette mondialisation militarisée n'est pas viable et les Africains ne se laisseront pas non plus recoloniser indéfiniment. Ben justement, parlons de la résistance africaine aujourd'hui. Quel est l'état des forces progressistes et révolutionnaires en Afrique? Est-ce qu'ils sont à même de faire face à ces gros défis là, qu'on vient d'évoquer, à la fois de l'impérialisme occidental ou même oriental et de l'islamisme? Est-ce que nous avons aujourd'hui en Afrique des forces politiques aptes à faire face à ces nouveaux défis? Bon, je pense qu'il faut regarder cette question de façon d'abord globale, c'est-à-dire quel est l'état des forces progressistes au niveau mondial. L'Afrique ne fait pas exception. Il y a eu un long reflux, un phénomène de dépolitisation pendant les trois décennies de mondialisation forcenée, où toute forme de politisation a été plutôt décriée, où le politique était considéré moins intéressant, donc les forces politiques qui étaient à gauche ont perdu beaucoup de leur crédibilité. Le multipartisme de façade a provoqué des coalitions au niveau du pouvoir qui ont amené la compromission de beaucoup de pays de forces politiques de gauche. Donc il y a une sorte de phénomène de décrédibilisation. Et en même temps, il y a une très grande indignation, notamment de la jeunesse. Et donc, la particularité des forces progressistes africaines par rapport aux autres, c'est d'abord la relative jeunesse, la plus grande jeunesse de leur population, des gens qui n'ont pas vécu la colonisation et parfois même pas les épisodes d'indépendance, qui ont une vision souvent culturaliste, populiste, et là, je dis ça sans caricaturer, c'est-à-dire qui ont du mal à diverger c'est quoi la droite de la gauche, mais qui ont une grande indignation, qui veulent que les choses changent, et qui, au nom de toutes sortes de valeurs, ça peut être l'afrocentrisme, ça peut être le refus du franc CFA pour certains, le refus du colonialisme ancien, etc. Donc, pour toutes sortes de choses, on a des forces progressistes différentes qui essayent de faire un front commun. Pour nous qui sommes panafricains, évidemment, la chose la plus importante, c'est l'évolution panafricaine. Et il faut bien dire que nous sommes encore marginaux, même si les Occidentaux savent que ça, c'est le plus grand risque, car une Afrique unie, une Afrique qui a compris que l'intégration dans l'économie mondiale telle qu'elle est désastreuse et qu'il faut rompre avec cette logique de l'intégration sous le marché dit libre, eh bien, ceux qui pensent de cette façon sont pour l'instant effectivement en impression moins nombreux qu'on le croit, puisque l'hégémonie dominante a réussi par toutes sortes de subterfuges. Hein. Ça passe par la musique, ça passe par la façon de s'habiller, la façon de faire l'amour, la façon de se divertir hein, par
les aspects ludiques. Une bonne partie de nos générations de jeunes sont captivés, un peu comme des papillons à la lumière, par ces diversions. Mais en même temps, il y a un éveil qui vient de la situation de crise, d'abord la crise que la pandémie donne, la crise écologique et la crise du capitalisme qui ne peut pas concrétiser les aspirations de ces populations. Donc pour moi, ce reflux n'est que temporaire, au contraire, cette conjonction de forces ne va que aller petit à petit en cristallisant la démarche panafricaine et progressiste. Et je suis sûr que nos jeunes, de plus en plus nombreux, vont prendre politiquement conscience. C'est pour ça qu'au Grilla, ce que nous faisons, c'est la repolitisation démocratique de nos masses. Nous savons que c'est là que toute la force de l'effort réside. Il faut que les jeunes soient petit à petit davantage politisés sur les enjeux sociaux globaux afin de pouvoir trouver eux-mêmes des solutions panafricaines à la crise mondiale d'aujourd'hui. Parfait. Il nous reste 5-6 minutes. J'ai encore deux questions. Parlons de l'État en Afrique aujourd'hui. Un État qui est ballotté donc entre des irrédentismes et des culturalismes locaux et des influences étrangères. Est-ce que l'État africain aujourd'hui, un État issu de la décolonisation, une décolonisation sans indépendance, mais qui, disons-le, a quand même quelques acquis. Est-ce que cet État a encore une légitimité aujourd'hui, écartelé qu'il est entre toutes ces oppositions-là? L'État signifie-t-il encore quelque chose aujourd'hui en Afrique? Oui, bien sûr. Écoutez, même le pire des États, celui de Mobutu Sese Seko, avait fait quand même beaucoup mieux que l'État sous la colonisation belge. Donc c'est clair que les États africains, en 60 d'années, on fait des avancées tout à fait spectaculaires. Il faut mettre dans la balance 3 siècles d'esclavage et pratiquement 1 siècle de colonisation. Donc on ne sort pas de cette condition servile d'asservissement juste en l'espace d'une génération ou deux. Donc c'est sûr que il y a eu de grandes avancées, mais ces avancées sont insuffisantes pour véritablement atteindre le développement et sortir de l'intégration négative dans laquelle nous sommes. Donc il y a eu des avancées qui ont été stoppées, la plupart des assassinats des leaders politiques progressistes, les révolutions ou efforts à caractère progressiste ont été perturbés, donc il y a eu beaucoup, disons, d'engrenages stoppés dans ce processus d'émancipation totale. Mais c'est ça, justement, la lutte contre l'impérialisme, c'est un processus long, ardu et difficile. Et donc ces États-là qui ont été laminés par la question de la dette, par les mesures au corset extrêmement sévère de conditionnalité des 30 et 40 dernières années, petit à petit, doivent retrouver leur marge de manœuvre. Maintenant, comme je l'explique, les réponses culturalistes irrédentistes, les régionalismes, les tentatives de sécession, les crises, etc., sont principalement, si vous regardez, en général, mues par des considérations économiques. C'est-à-dire c'est l'accès aux chances sociales, c'est l'accès à la rente de l'État qui motive la plupart de ces choses. Donc c'est pas la démocratisation et la redistribution que ça se fait, d'où la lutte contre les forces compradors qui soutiennent à la fois cette militarisation et la gestion peu patriotique de nos deniers publics. Donc ces États ne doivent pas être confisqués par ces élites, et une fois de plus, je reviens à la conscience politique de nos masses, c'est là qu'il faut travailler pour justement se débarrasser des cliques et des élites qui paralysent le jeu politique et perpétuent la situation néocoloniale et impérialiste du continent. Restons sur la démocratie pour finir là-dessus. On a quand même eu quelques avancées démocratiques depuis la dernière vague de démocratisation dans les années 90. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre que cette remilitarisation conservatrice et impérialiste balaye d'un revers de la main ces petits acquis que nous avions quand même dans quelques pays, là c'est pas dans tous les pays, mais il y a quelques pays quand même qui ont fait des avancées qualitatives. Est-ce que ces avancées ne seront pas remises en cause par cette remilitarisation, ces cinquantaines de bases là qui ont intérêt à maintenir en place des pouvoirs qui mangent dans la main des occidentaux, des puissances occidentales dans le fond? Bon, comme je dis, la question est maintenant vraiment à caractère mondial, et ce n'est même plus une question d'Occident, c'est une question véritablement de classe politique économique qui, au niveau mondial, profite partout et qui provoque le syndrome partout, et ce n'est pas seulement en Afrique. Donc c'est une lutte qui à l'instar de celle que la plupart des peuples du monde vivent, c'est juste que la condition de l'Afrique est resté enfermé dans la vieille division internationale du travail. Je ne sais pas à quel pays vous faites référence. Il y a eu des avancées démocratiques par-ci, par-là et des régressions.
Il y a eu des changements dans votre pays, au Sénégal. C'est des consensus de façade. C'est des pays qui sont frappés par l'obscurantisme religieux, qui sont sous la coupe totale de l'impérialisme. Donc, il s'agit en fait de multipartisme de façade où il n'y a pas. Vous avez des alternances sans alternative. Donc, il y a très peu de pays africains qui peuvent se targuer d'avoir réussi à la fois la démocratisation et le développement. Il y a eu des soulèvements populaires en Tunisie, au Soudan. Il y a eu des remplacements et des transitions qui ont été plus ou moins dévoyées. Tous ces processus sont liés vraiment à un éveil, comme je le dis, organisé des masses avec des partis qui prennent conscience de leur rôle historique, avec évidemment une clairvoyance dans les rapports de force. Ce qui nous assiège, le rôle des élites compradores, et sur cette question de la démocratisation, de donner davantage de pouvoir aux femmes, principalement, aux jeunes, aux masses rurales, de changer les luttes pour d'abord prioriser la satisfaction des besoins essentiels, donc qui ont été reconduits dans les objectifs du millénaire. Voici vraiment les grands chantiers d'infrastructure, de retrouver la marche de l'État. Et justement, avec cette pandémie, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'États forts, d'États organisés. Ce n'est pas au secteur privé de sauver les sociétés africaines. C'est aux sociétés africaines de prendre le contrôle de leur secteur public et d'arnacher le développement, et même de reconsidérer ce que le développement a bien voulu signifier, car ce développement est constitutif lui-même de cette économie mondialisée. Donc il faut aller revoir, comprendre, se développer à l'africaine, être fier, monter une intégration africaine de type panafricaine vers la perspective d'un État panafricain pour le 21e siècle. Voici les grands chantiers vers lesquels les jeunes doivent mettre toute leur force. Excellent. Il me reste 2 minutes, Brice, je pense. Vous êtes internationaliste, donc je vais vous poser aussi une question sur l'aspect international, parce que on l'évoquait, hein, ce qui se passe en Afrique se déploie aussi au niveau international. Quel est l'état de la solidarité de l'international progressiste aujourd'hui dans le monde? Est-ce que l'Afrique peut compter sur une solidarité internationale? Bon, vous savez, ces jours-ci, nous commémorons la mort de Samir Amin, qui fut un grand Africain et l'un des grands internationalistes. Nous sommes actuellement une cinquantaine de personnes autour du monde qui sont en train de construire un effort pour aller vers une cinquième internationale. Donc il y a des efforts, et les Africains contribuent à cet effort de façon très claire au niveau de la gauche mondiale. Donc c'est un processus long. L'Afrique apportera sa contribution à cet effort, et je peux vous dire très fièrement que nous n'avons rien à envier aux autres forces progressistes. Et cette fois-ci, l'international naîtra au XXIe siècle à partir des efforts du Sud et non pas seulement ceux du Nord. Donc je peux déjà vraiment vous rassurer qu'il y a un grand effort dans ce sens. Excellent, on finit sur une note d'espoir. Puis j'espère que quand les travaux de cette cinquième internationale avancera, on aura le plaisir d'en rediscuter avec vous. Et ça, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. C'est très, très enrichissant. Et je pense que recevoir des chercheurs, des universitaires comme vous participe de ce travail de repolitisation des jeunes et d'éducation politique dont nous avons tant besoin. Merci beaucoup, frère Aziz. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur CKIA FM. Et puis à la prochaine. Merci de m'avoir eu. Au revoir. Merci, au revoir. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc, merci beaucoup. Ce fut une interview très intéressante. J'espère que les jeunes qui nous suivent, des jeunes africains, des jeunes latinos, des jeunes asiatiques, des jeunes du sud global, auront l'intérêt de suivre, d'écouter des chercheurs comme ça, de les lire aussi, lire les classiques comme Frantz Fanon, lire les classiques comme Dubois, lire les classiques comme Aimé Césaire, lire les classiques d'Asie, d'Afrique, etc., pour se politiser, parce que dans ce monde monde impérialiste et très capitaliste, l'éducation politique est l'arme. Sans éducation politique, comme dit Frantz Fanon ou Malcolm X, l'ennemi nous fera devenir même des instruments de notre propre oppression. Alors voilà, l'interview sera sur notre site internet www.ckifm.org, et puis sur le site Dignité, sur la page Dignité Noire, CKIA FM, vous pouvez la réécouter et la partager autant de fois que nécessaire. Nous sommes le 7 septembre, je m'appelle Mbaye, j'étais avec vous depuis 19h, en compagnie de mon cher complice Brice, toujours avec un sourire. Je vous donne rendez-vous donc le 14 septembre, j'accueillerai ma nouvelle co-animatrice, Aissata Barry. Donc, vous savez, moi j'aime toujours avoir aussi à côté un tandem homme-femme, donc il y a une nouvelle animatrice qui viendra, et puis je vais l'introduire
lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien car chaque jour est une vie. Ciao.